Eh bien salut à toutes et à tous, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jeu d'horreur, la semaine spéciale Halloween. Aujourd'hui, Hello Neighbor. Alors faut savoir qu'en plus de ça, il y a quelques mois, encore bien avant cette semaine d'Halloween, il y avait des abonnés qui m'avaient recommandé de jouer et d'essayer Hello Neighbor. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais pas spécialement envie parce que ça me disait pas grand chose. Et puis j'avais pas envie de claquer des balles dedans. Pour être très transparent, ça ne me disait rien. Mais c'est vrai que, en vrai, le jeu peut faire peur. Et pour Halloween, c'est le bon moment, je pense, pour se faire des petites frayeurs, sachant que la vidéo d'hier c'était sur Outlast, donc Hello Neighbor, je pense que ça va nous faire un petit peu du bien, hein, très clairement je pense qu'on peut le dire. Je remercie encore une fois Eneba qui m'ont donné un gros coup de pouce pour Outlast et pour du coup Hello Neighbor, donc merci à eux, le lien est dans la description, vous connaissez. Donc on est parti, n'oubliez pas le pouce bleu, The Birdie. Et c'est une bien belle musique qui nous accueille dès le début, j'aime beaucoup, allez. Un ballon, un enfant qui court. Et pas spécialement beau. Comme moi. Ah, c'est moi. D'accord, alors attendez. Voilà. Allez vite le ballon. Je veux jouer au ballon, c'est trop stylé. Eh, j'aime bien l'univers par contre, je m'attendais pas à ça. Le ballon. Je sens très bien que... Ah. Bon, ta casquette est pas folle, hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Si c'est le scénario dont je pense, ça va m'énerver en fait. Ah, je pouvais pas m'échapper. C'est normal. Oh. D'accord. Ok. Alors il se passe des trucs bizarres. Il se passe des trucs bizarres dans cette maison. Alors c'est quoi? Il a un chat mutant. Il a... J'ai pas compris. Donc là, ce qu'on va devoir faire, d'accord, ce qu'on va devoir faire, c'est comprendre ce qui se passe. Mais il a pas l'air très très gentil. C'est fermé, bien sûr. Donc là, l'idéal, c'est qu'il ne me voie pas. Comment je fais pour interagir avec les machins? Je comprends pas. En fait, je suis un enfant, en fait. Hein. Je suis un petit enfant qui... Ah. Bonsoir. Je rentre chez les inconnus. Ça va ou quoi? Ramasser, tenir eux. Bah voilà, mais fallait savoir ça, les gars. Eh ben voilà. Merde. Eh ben voilà. Ah, attendez. Je viens de lui couper le... Mais c'est du génie ce que je viens de faire. Wesh. C'est une usine... C'est quoi son truc, cette maison là? What? Ah, il est là. Ok, c'est bon. Il sort. C'est bon, il sort. Tu me sors la carte de tes morts. Mais il est complètement con. Il a oublié où je suis parti. Putain. Oh, eh, ça m'a fait peur. Eh, en vrai, il fait peur, ce con. Mais c'est dur, hein, parce que j'ai pas le choix de rentrer par la fenêtre, je crois. Attendez, je vais lui recouper le courant, parce que je suis un petit salaud. Regardez-le. Vite, il est en train de mettre le courant. Ah.
Mais punaise! Mais il est incroyable ce jeu, on peut rien faire! Ça c'est un jeu, je pense que Marion elle pourrait rigoler dessus. Ça va go... Ouais, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu es encore sur la voie publique? Hein? Oh, il est énervé. Oh, il est énervé, hein. C'est pas bien de s'énerver. C'est trop drôle. Ah, on peut se cacher sous le lit. Ah, l'enculé. Mais wesh. Eh, il se passe quoi? Eh, what? D'accord. C'est quoi le bail? What? Ok, il y a eu un accident. Il a fait un accident de voiture avec sa femme. Sa femme non, s'en est pas sortie, j'imagine. Ouais. D'accord. Ouah, la chatte à la gigine. Oui, je voulais des tomates. Mais j'avais pas de tomates chez moi, gros. Et alors, je suis le petit morveux qui fait chier les voisins. Putain, mais je cherche même sur internet, je trouve pas, les gars. Hello, Naibor. Attends, j'ai trouvé la solution, je crois. Putain. Voilà. Et maintenant? Mec, si je la foire là? Merde. Allez, cette fois c'est la bonne. Quand même. Ah ouais, mais. Lui il a accès en haut. Non? Oh, il a un aspirateur! Il essaie de m'aspirer! Ah! Ok, là il y a un tableau. Ensuite. Ah. Ah mais j'ai foiré quelque chose ou quoi? Je comprends rien à ce jeu, ça me casse les couilles. J'ai récupéré une clé, elle a juste servi à ouvrir une porte. Sans deck. Mais quoi? Mais gros! Ce n'est pas chez toi, rien, je suis même chez moi là, voilà, c'est pas compliqué. Je
Je crois que j'ai pas de chance, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, les frérots. Vas-y, et les gars, ça fait. Non, mais vous vous rendez compte, là, vous allez vous foutre de ma gueule. Ça fait 1h06, 1h06 que je tourne. Je suis au même point depuis le début. Alors que Outlast, je suis bloqué psychologiquement et j'ai réussi à avancer dans l'histoire. Là, je n'arrive pas. Je crois que c'était pas le meilleur plan, mais au moins j'aurais découvert. Au moins j'ai vu un peu. Bah, en fait, c'est vrai que ça fait un peu flipper sur le coup et il m'énerve un peu, mais il est surtout très. Il est plus énervant que flippant au bout d'un moment quand tu commences à comprendre le truc, tu vois. Pardon ? Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez ce jeu à prix complètement cassé évidemment sur Eneba si vous avez envie de rager. 3% de réduction supplémentaire avec le code MKOLO, je vous le rappelle. Donc merci encore à eux pour ce gros coup de pouce de m'avoir filé et Outlast et Hello Neighbor. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À demain, ou peut-être pas.